Ce sont les rythmes traditionnels identitaires du département du Mono qui ont ouvert le bal de ce spectacle de la nuit d'indépendance 2024 sur l'esplanade de la Maison du Peuple de Lokossa. Et parlant de musique traditionnelle identitaire du département du Mono, on ne peut en citer sans parler du rythme Agbaja. Albert Bessanvi, alias Gbesi Zolawadji, demeure jusqu'à présent une référence du rythme traditionnel Agbaja au Bénin. Il était également de la partie. Merci. Pour ce qui concerne la musique moderne, on est allé des artistes les plus populaires du Mono aux stars de grande renommée comme Anateko. Ça fait quand même des années que je ne me suis pas produite ici au Bénin. Revenir voir mes frères aussi nombreux, c'est vraiment une grâce. Je remercie le Seigneur pour le peuple de Lokossa. L'amour est là depuis toute petite et c'est avec beaucoup, beaucoup de grâce d'amour que j'ai pris part à cette 64e anniversaire de notre fête d'indépendance. Le spectacle s'est très bien passé. J'ai pu aimer Anateko. Je les souhaite tous une très bonne fête de l'indépendance. Je glorifie, je glorifie. Ce 64e anniversaire d'indépendance du Bénin, Anateko exhorte les dirigeants du pays à poursuivre les efforts qui se font déjà pour véritablement mettre la jeunesse béninoise au travail. Je demande simplement la paix de notre Seigneur sur le peuple béninois, que Dieu nous protège contre la guerre, que Dieu donne du travail à tous mes frères et sœurs qui sont allés à l'école, qui ont eu leur diplôme, mais qui ne trouvent pas du travail. C'est ça qui pousse beaucoup de jeunes aujourd'hui à se retrouver dans les gaymans, comme on l'entend aujourd'hui. Je prie le Seigneur pour que nos dirigeants
prennent conscience que la jeunesse a besoin de travailler, même s'il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont faits, il y a encore beaucoup qui ont besoin de s'en sortir, qui ont besoin de travailler. Et c'est le meilleur que je souhaite à la jeunesse béninoise. Surtout, vous, mes frères et sœurs qui me regardez en ce moment, ne baissez pas les bras. Ça peut paraître difficile d'étudier pendant des années, avoir des diplômes et ne pas trouver du travail. Mais je prie vraiment le Seigneur pour que cette année soit meilleure, que tout ce que vous attendez de notre Seigneur, Dieu puisse vous l'accorder. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis et bonne fête de l'indépendance à chacun de nous.